premier mardi de chaque mois un événement qui se déroulera dans le au Carpe Diem. C'est un événement très très intéressant pour les étudiants de marketing, les sciences fondamentales, les sciences appliquées et même les étudiants en informatique appliquée. Je vous invite bien sûr donc de découvrir cette rencontre. Et c'est une rencontre vraiment, vraiment enrichissante. Merci, monsieur Arbeté. Et nous, merci beaucoup. Donc, la famille France Codicaire, alors, je parle en arabe, je parle en français, en anglais, en allemand, en italien. Je connaissais Mkhalat. Mkhalat France Codicaire, c'est la deuxième fois en fait que je viens à l'ESG. La première fois, je suis venu ici en 2004. Et je suis de retour après combien? 13 ans, voilà. Et ça n'a pas beaucoup changé, à part l'esprit, l'esprit des étudiants qui a beaucoup changé par rapport à, les 13 ans des vecteurs. Donc, bravo tout d'abord au club de messieurs pour l'initiative. C'est un club qui promet beaucoup, qu'on salue beaucoup d'autre part de la Social Media Club Tunisien. Social Media Club Tunisien, c'est un club qui est parti de 600 clubs à travers le monde. Le PG est basé en Californie. Et on est partout, on est Luxembourg, New York, Japon, en Allemagne, sur plusieurs villes. Et en Tunisie, on va, en avril, le 12 avril prochain, on va fêter 5 ans de distance. Donc, on a déjà fêté une audition de Digital Drink, vous invite aussi à Digital Drink, aux ateliers qu'on fait chaque samedi à l'ULT. Ils sont tous ouverts à tout le monde. Et la première chose que j'ai remarqué, tout d'abord, il n'y a aucun. Les étudiants qui ont tweeté, rattaché, j'ai vu aucun tweet avec le hashtag officiel. Déjà, il est très bien affiché ici. Donc, on y voit un peu. Sortez un peu de Facebook. Donc, quand j'ai un internet qui parle de digital marketing, Facebook, ça c'est pour les amis. En moyenne, en Tunisie, les gens passent entre 2 et 7 heures par jour sur Facebook. J'ai vu aucune personne parler à la zéro de la Facebook. Attends, on est tous hackers. Vous êtes lead, vous êtes étudiant, vous êtes venu à expérimenter, à aller tester de nouvelles plateformes, tester Twitter, tester les sites. Notre ami l'a dit, je crois que les gens se posent la question, mais comment se met l'argent sur Tayara? Et personne de vous n'a remarqué qu'il y a des banderoles publicitaires, des banners comme on appelle, tout au long du site. Parce que ça, c'est l'essence du web. Le web, il est tout d'abord généré par des personnes et non pas par des sociétés, généralement. Le contenu, il attire les usagers. Et si on attire les usagers, c'est-à-dire vous, on va leur offrir du contenu et à côté de la pub. La pub, Ça fait payer les frais d'une société comme d'ailleurs avec 23 employés dans un bureau ostentatoire ou l'acte 2. Donc il faut penser out the box, il faut aller plus loin. Il faut arrêter de croire qu'on maîtrise du digital marketing parce qu'on maîtrise Facebook. Et même pour ça, on ne peut maîtriser même pas. Quand madame est allée sur le site sur Facebook, d'ailleurs, elle m'a offert une publicité selon les termes de la recherche de sa dernière expérience sur Facebook, parce qu'il y a un truc, par exemple, qui s'appelle le pixel de conversion. Il y a aussi des code tracking sur le site. Donc, tout ça, ça montre très, très, très prominent. C'est excellent. Ça montre excellent à voir, à découvrir, terme par terme. Il faut lire. Il faut se ressourcer. Il faut surtout expérimenter. Il ne faut pas rester là, il ne faut pas laisser cette plateforme vous ruiner votre carrière. Parce que vraiment, il y a des gens qui, par exemple, les handicaps, par les étudiants, qui ont parlé. Elle a parlé, on assiste des compagnies à recruter des jeunes pour le poste en digital. Community manager, SEO, call. Est-ce que vous savez que 95% des emails, ils sont tous placés comme poubelle?
اي با سيمون في الدار ديالك حتى في الشركه نتاعنا حتى شركه الشركه الكبار في الديخ لي ماجوريتي نتاع الاتش ار تاع ريسبونسابل دو سوفين نقدر في شعبي والله شيء حسن اي بوكو زي بوكو باسكو لي زيتيديون لو سيف ما كنيتريس با لوتي دو باز سامبل لي فوندامونتال دو شاك كارير بروفيسيونيل كي لو ميك كي ايتي pour vous dire, hein, créé et expérimenté dans une université numérique. Il n'a pas été créé par entreprise. Y compris le web, les réseaux sociaux. Vous savez très bien que Facebook il a été expérimenté et fini. Mais les facs, pourquoi les facultés? Parce que c'est l'élite. Et pas seulement c'est l'élite qui est fraîche, qui est pleine d'idées, qui n'a pas de limites, qui ne se fait pas. Essayez de ne pas vous limiter, essayez d'aller plus loin. Essayez d'aller plus loin. Qu'un simple étudiant, voilà, professionnel, voilà, un jeune, voilà, un jeune diplômé, qui envoie un email vite, malgré le sujet, ou malgré le texte, avec un CV, il va. Le CV, un tarot des années 70, mais très on ne parle pas en 2018, avec la concurrence. Et voilà, après, on dit, pourquoi il y a du chômage? Eh bien, en grande partie, le chômage existe, c'est bien cause. À la fin, on ne sait pas nous vendre. Parce que nous aussi, si vous faites du marketing, vous devez faire, vous devez commencer par, par faire du marketing de vous-même, du personal branding. Vous devez développer votre image en ligne, vous devez développer vos compétences, vous devez lire, expérimenter. Tout votre job, c'est très important. Le jour où vous allez avoir une vision globale sur le digital marketing, le jour où, et ça c'est très important, il faut toujours avoir un standard international. Votre approche Nest Littles. Là, vous avez un rouge. Je le répète par un contact. Nous, les 13 mêmes métros, certains métros, nous disons en marche, ils sont très limités, ils se limitent aux demandes du client. Le client, pour lui, je ne sais pas, il vient faire autre, qui est là en train de faire un tarot à Facebook, il va dire, oh, le digital marketing supérieur, elle est finie. Mais lui, il ne sait pas que ça ne vend pas. Ça ne vend pas. Et est-ce que vous savez, par exemple, combien investit les grandes sociétés dans l'e-commerce, ou dans, je ne sais pas si vous avez une idée, sur quoi quelle affiliation, marquer le marketplace, marquer le dropshipping. Voilà. Il faut voir ça. Ici, dans le commerce, les tournes, ce sont les sites qui dépensent le moins d'argent que Facebook. Par contre, elles investissent beaucoup que l'SEO, les autres techniques, le marketing, vous devez voir aussi. Il y a tout un monde à découvrir et à adorer. Juste pour vous dire, Liane, j'ai fait aucune formation en marketing. J'ai fait une formation en politique et en gestion des internet. Et après que je me suis diplômé, j'étais, comment dire, c'était un grand fan de table à web et tout à fait, et après c'était tout à fait naturel que j'ai développé ma présence sur les réseaux sociaux. J'étais l'un des premières personnes sur Twitter, Instagram, Foursquare. Je suis aussi maintenant en train de voir de nouvelles plateformes chaque jour, de lire encore plus, d'apprendre encore plus. Donc, ma consigne, c'est que vous devez vraiment vous y investir. Parce qu'aujourd'hui, Lyon, on n'arrive pas à trouver des professionnels pour des emplois qui existent digital. Croyez-moi, Lyon, en moyenne, Lyon, il fait chômage, 20 postes d'emploi alléchants. Je parle des postes d'emploi alléchants. Un très beau bureau, des avantages, au chef, équipe de la on ne trouve pas, on ne trouve plus. Pas. Exactement, parce que l'étudiant se limite au cours,
le cours généralement c'est calmique, il ne travaille pas sur l'image. Le jour où il va envoyer un email, il va envoyer une catastrophe. Par exemple, hein, où les gens qui sont limités par exemple à certains leurs cours ou à certains processus universitaires, ils vont penser plus loin que ça, ils vont penser que les postes existent, que les postes sont très bien payés partout en Tunisie, il ne faut pas chercher loin, mais qu'il faut se préparer au marché du travail de façon efficace. Donc, j'étais méchant, parce que j'étais méchant, on l'est. Non, non, ok. Donc, je dois un peu, les chaleurs, vas-y. Mais plus de moi. D'accord. Généralement, je pose la question au début de chaque rencontre, qui a un compte Facebook, tout le monde lève la main. Il n'y a pas d'exception, compte Facebook. Mets la main, je n'ai pas de limite. Let's go! Plutôt, je suis sûr. Je commence Facebook. Pourquoi? Mais, attends, Facebook. Allez. C'est bien. Alors, qui a un compte Twitter? Qui a un compte Twitter actif, s'il vous plaît? Une chance de compte. Après, la rendez. Mais qui a un compte Instagram? Un compte Instagram, mais sans selfie. Mais qui a un selfie? Mais qui a. Je connais depuis comme un compte Foursquare. Waouh, l'exception, bravo. Plus simple, la rendez. Qui a un compte YouTube avec son propre contenu, même qui est. Voilà. Oui, ça va, champion, applaudis. C'était champion là. Voilà, on attend le troisième. Et qui a un compte. Bon, alors je vais vous poser une question. Si vous ne répondez pas oui, vous allez avoir un moins de. Je compte TikTok. Mais, c'est pas la question. Je compte TikTok. Toutes les infos. Next, ça veut dire. Moins deux. Vous allez calibrer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les chasseurs de têtes ne cherchent plus à trouver des têtes dans les candidats de la chasse. Ils cherchent des grandes têtes sur LinkedIn. Les opportunités qui sont sur LinkedIn, elles sont exceptionnelles. Pour vous dire, quand tu travailles sur l'image, un truc comme un exemple très simple. Bon, l'appareil que vous j'ai acheté sur Tailleur. L'objectif, au sein de Lyon, Blech, qui l'a envoyé, une marque, parce que l'objectif, c'est un signe. Parce que je les ai convaincus que j'étais un client. Je ne sais pas un client, madame, je sais. Au bas, j'ai tweeté à Twitter le 12 pour qu'il ramène le package, le détail, sans me remettre le temps. Was to the package en urgence pour les filles en taille, pour les filles en taille, parce que sur Twitter, par contre, je suis un client, je peux ruiner votre vie sur Twitter. Was to the way, quand je vais être spécial, mais les gars, j'ai l'objectif, j'en espère. Parce que la poste aussi, par exemple, c'est l'un des exemples phares de la digital marketing de Tunis, dans sa stratégie, sur le poste, sur Twitter, vous pouvez par exemple faire le tracking d'un colis chez une plaide. Parfois, on dit, maintenant, vous le savez. Et d'autres exemples, parce que des exemples, vous voyez plusieurs exemples. À vous dire que la majorité des affaires sur Tunis, c'est pas que les gens sont YouTube. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a des gens qui travaillent sur YouTube à plein temps, plutôt le salaire. Parfois, on dit, on dit. Et bien, attends, la paix,
qui arrive à survivre en Tunisie uniquement grâce à YouTube ou à Instagram ou Snapchat. Et madame, va nous expliquer comment ça se passe. Et ça, ce qu'on appelle marketing d'influence, c'est autre chose. Nous avons déjà passé par ça, parlé de ça dans un atelier, pour vous dire qu'il y a un potentiel important à saisir avec les deux mains fermement qui vous attend. Qui vous explique, si vous vous restez fumillant, vous allez finir comme le pauvre étudiant qui a envoyé un email dans le nom, par contre, du mail, ils sont 14-14. Et ce que j'ai tardé à faire, ou le fond d'un texte faire, ou pas de CV en format Word, alors que tu as déjà supprimé à jamais, brûlé en enfer. Mais pour ça, je vous recommande de lire un article sur mon compte LinkedIn qui s'appelle Les 10 spots à éviter pour envoyer votre CV à un recruteur. Vous pouvez trouver le lien par l'événement à Tunis CEO. Donc voilà. J'espère que je suis pas méchant. Non. Mais, donc, je suis prêt à vos questions. D'accord ? On se fait un check. C'est la Tunis, allez ! حسب الطلب. ليه أنا بضل نحب نشكرك على خاطر وفيت.